Messieurs, bonjour. 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 On vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur la crise, la finance, le dévoiement de la finance peut-être. Avoir votre avis pertinent, votre capacité d'expertise, peut-être de terrain pour Jean-Manuel. Jean-Manuel Rozan, présentez-vous. Bonjour. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la finance, comme trader et après comme conseiller de différentes formules d'investissement. Et depuis 3 ans, j'ai arrêté la finance pour me consacrer à un moteur de recherche qui s'appelle Quant. J'ai aussi écrit un livre sur la finance qui s'appelle Le Fric, que j'avais rédigé en 1989 et où j'expliquais pourquoi j'allais arrêter de faire du trading. Hervé de Carmois, bonjour. Bonjour, re-bonjour, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bon, moi j'ai fait de la finance pendant 35 ans, et donc en banque et en banque d'affaires, et en ce moment, je travaille dans 3 entreprises, une qui a été créée il y a 15 ans et qui fait de l'intermédiation, et qui s'appelle Tradition, une autre qui est à Lausanne et à Londres, une autre qui finance l'infrastructure et qui est devenue un leader mondial, et enfin une affaire immobilière que j'ai aidé à créer il y a 20 ans avec un prêt de $200,000 et qui aujourd'hui pèse 200 millions en ayant fait quelques investissements judicieux. Vous avez oublié une carte dans votre manche. Vous êtes aussi un membre important de la commission trilatérale. Oui. La commission trilatérale regroupe des tas de gens et donc je suis l'un d'entre eux. D'accord. Je vais vous poser une première question pour entrer dans le vif du sujet. On a vu récemment le plafond de la dette américaine arriver à son terme. On voit le plafond de la dette américaine arriver tous les 6 mois à son terme. Mais la croissance américaine semble repartir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette différence de perception entre un État qui arrive à tous les 6 mois à demander qu'on relève le plafond de sa dette et une croissance qui a l'air ou qui semble repartir? Hervé? Elle repart pour une raison qui ne dépend ni des Américains ni de nous. C'est un cycle. Et les cycles économiques durent entre 4 et 8, 9 ans. Et nous entrons très probablement dans un cycle plus favorable après qu'il y ait eu destruction de richesses, de façon à ce que les méthodes anciennes et les industries un peu trop surannées aux États-Unis et ailleurs se renouvellent. Et là, en ce moment, on entre dans un cycle différent. Alors, la dette américaine, elle augmente. Et elle augmente d'une façon qui ne me paraît pas démesurée, étant donné les 320 millions d'habitants et les 24 trillions de dollars qui caractérisent... voilà. Jean-Manuel Rozan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre métier passé de trader? Qu'est-ce que vous avez pu voir dans les salles de marché? Quel était votre rôle? D'abord un mot sur la dette américaine. Quand j'étais aux États-Unis, je me souviens la première fois que les marchés étaient inquiets pour la dette américaine. De mon expérience, je crois que c'était en 1981. La dette américaine a toujours été renouvelée et, comme le dit Monsieur de Carmois, elle grandit, mais elle grandit moins vite que l'économie américaine, et surtout en ce moment. Et si l'économie américaine grandit si vite en ce moment, c'est parce qu'il y a bien sûr un cycle nouveau, mais ce cycle est caractérisé par 2 choses, à mon avis, qui sont majeures et qui expliquent pourquoi la croissance et la richesse de demain va régler les problèmes d'hier, ce que beaucoup d'analystes refusent de voir. Et donc les gens continuent, je dirais, comme des bovins, à être négatifs sur le marché qui monte depuis 5 ans. Eh bien, c'est parce que la richesse de demain va régler les problèmes d'aujourd'hui et d'hier. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 milliard d'êtres humains qui vont accéder à la classe moyenne et ils vont le faire avec la maîtrise de technologies, d'information, de savoir qui sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est la force qui vient. Et ça fait 5 ans que les marchés montent et ça fait 5 ans que les mêmes analystes vous disent c'est épouvantable, ça va très mal, ça va te casser la gueule, en nous lisant le journal d'hier. Le journal d'hier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le journal de demain. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Je vais vous poser une question sur les salles des marchés, la profession de trader.
Est-ce que les traders s'occupent un petit peu des fondamentaux de l'économie ou ils font simplement de l'analyse technique? Est-ce que c'est comment on fait pour être trader? Comment vous prenez vos paris? Par exemple, sur les pétroliers, est-ce que vous avez quelqu'un qui, dans les salles de marché, fait de la veille sur les produits pétroliers ou sur les nouvelles technologies? Est-ce que tous les matins, vous avez une fiche d'analyste qui vous renseigne sur la réalité des fondamentaux de l'économie? Alors, il faut faire une réponse un petit peu longue, parce que c'est une question complexe. D'abord, il y a beaucoup de gens qui se disent être traders et qui ne sont que des courtiers. Les courtiers, ils n'en sont pas des... La différence entre courtier et trader? Eh bien, un trader est quelqu'un qui prend une décision, qui engage des capitaux sur les marchés des capitaux, et un courtier est quelqu'un qui appelle un trader pour lui suggérer une transaction. Évidemment, ce sont des niveaux de... Comment dire? Il faut pour l'un et l'autre des métiers des talents différents. Pour être courtier, il faut être un bon vendeur. Et au fond, si on donne des mauvaises idées, c'est embêtant à court terme. Mais enfin, on a toujours trouvé un autre trader. Quand on en aura ruiné un, la banque en engagera un autre. Et donc, les courtiers vraiment doivent être des bons vendeurs plutôt que des bons analystes. Il y a des analystes dans les sociétés de courtage. Et parmi les traders, le monde moderne a créé beaucoup, beaucoup de spécialités. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre d'un coup. Juste un mot. Dans ces spécialités, il y a des gens qui font du trading macroéconomique basé sur des analyses et où il faut un coup d'œil global sur ce qui se passe dans le monde. Qui vous fait remonter l'information? Alors moi, quand j'étais trader, évidemment, je ne lisais jamais le journal et je n'écoutais jamais personne. Ce qui m'intéressait à moi, c'était les prix, la vitesse à laquelle ils se formaient, la façon dont je les voyais bouger et, comme je faisais surtout beaucoup d'options, les différences de prix entre une option et l'autre qui me permettaient de prendre des décisions. Donc c'était un mix, à mon époque, c'est-à-dire il y a extrêmement longtemps, d'analyse macroéconomique extrêmement rapide et de décisions d'investissement basées sur les prix relatifs de différents instruments qui étaient de temps en temps trop chers ou pas chers. Ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses maintenant. Hervé ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les méthodes ont évolué, la complexité des modèles mathématiques s'est accrue et demande des gens de plus en plus performants. Et la vraie question, c'est qui doit prendre des positions? Et pour moi, les établissements bancaires ne devraient pas prendre des positions pour compte propre, quel qu'il soit, parce que ils jouent de plus en plus des sommes importantes qui peuvent mettre en cause les dépôts dont ils ont la responsabilité. Vous parlez des effets de levier Des effets de levier, et puis à quoi? Quel est le rôle d'une banque? Le rôle d'une banque est de prendre de l'argent qui vient des clients et de le mettre à la disposition d'autres clients qui veulent créer de la croissance économique. De la richesse. De la richesse, voilà. Bon, alors, je ne pense pas que, d'une façon très pointue, lorsqu'une banque joue le marché, gagne quelquefois des centaines de millions en jouant le marché, elle contribue au développement économique. Jean-Manuel, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la philosophie des salles de marché, la philosophie des personnes qui évoluent dans les salles de marché? Est-ce que le but premier d'une salle de marché, c'est de prendre de l'argent, de faire de l'argent et de reprêter de l'argent, ou c'est de prendre de l'argent et de prendre de l'argent? Alors, il y a beaucoup de choses. Et dans une salle de marché, dans des salles de marché, il y a certainement beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de rôles différents. Je voudrais juste prendre un petit peu de... Je voudrais prendre un peu de recul. Je vais prendre un peu de recul, je voudrais faire une réponse générique. Non, pas générique, précise. Historiquement, et mon expérience a été que le rôle principal de l'ensemble des acteurs a été de créer de la complexité qui leur permettait de prendre de l'argent directement dans la poche de leurs clients en leur vendant des choses qu'ils ne comprenaient pas à des prix qui étaient trop hauts. Est-ce que vous pensez ça, c'est l'essence de l'activité, la complexité des 30 dernières années. Alors après, il n'y a pas que ça. Je ne veux pas qu'on pense qu'il n'y a que ça, mais il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça que les banques se sont transformées en gigantesques machines à vendre des produits. D'un côté, il y a un trader quelque part qui fait un produit très complexe et qui le fait le plus cher possible. Et après, il y a une équipe. Même si sur le nom de l'équipe, il y a marqué Managing Director et Associé Gérant pour le Moyen-Orient, le gars qui fait ça, c'est quand même un gars qui, au fond, ne comprend rien au pricing du produit. C'est quoi, et qui, le pricing? La façon dont il est structuré, la façon dont on le
met à disposition du client et ce qu'il rapporte lorsqu'il est vendu à la banque. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a tout un tas de clients auxquels il faut qu'il en vende un maximum. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Ça n'était pas, évidemment, le but originel. Le but originel serait de faire en sorte que les entreprises qui ont besoin d'argent et les acteurs positifs de l'économie qui savent prendre des capitaux, créer de l'emploi et créer de la richesse, puissent avoir tout le temps cette somme à leur disposition. Hélas, dans les banques françaises aujourd'hui, nous en sommes très loin. Hervé, je vais vous poser une question. Pour rebondir un petit peu sur l'actualité, on a vu il y a pas très longtemps le scandale du Libor, de l'Euribor, la manipulation de certains taux interbancaires par des traders et des grandes banques. Je voudrais avoir votre opinion, vous, homme d'expérience. Est-ce que c'est une logique? Est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que les États, de temps en temps, sont au courant? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'un trader fixe un prix, passe en intranet des informations à ses copains traders pour fixer un peu les prix d'une façon un peu obscure? C'est une pratique courante. C'est une pratique courante parce que les directions bancaires n'ont pas mis en œuvre la formule de David Rockefeller pour la Chase, qui a permis à la Chase, pendant les 40 ans où j'étais avec eux, de ne pas avoir de difficultés liées à des pratiques douteuses. Quelle était cette règle? S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que chaque fois qu'un trader, chaque fois qu'un directeur, chaque rencontré et pratiqué des décisions contraires à l'éthique de base d'une maison, il était renvoyé. Bon, cela signifie que toutes ces pratiques, il faut prendre comme hypothèse qu'elles sont connues des chefs de service, qu'elles sont connues des directions générales et qu'elles sont tolérées à cause des bénéfices importants que ces pratiques induisent, et pour la banque et pour les membres de l'équipe. Jean-Manuel, une fois de plus, j'aimerais dire quelque chose de précis là-dessus. Le mécanisme précis de perversion du système, dans les cas où il a été perverti, car il n'a pas été perverti. Faites référence à votre livre. Car il n'a pas été perverti tout le temps et partout. Mais le mécanisme précis, c'est le suivant, et je le date parce que je l'ai vu de la fin des années 80, à un moment donné dans la finance appartenait principalement à ses propriétaires, c'est-à-dire chez Goldman Sachs, chez Sam Brothers, les propriétaires, c'était les associés gérants, et ils étaient responsables sur leurs biens. Et donc, quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute, parce que le risque était pour eux. À un moment donné, ces maisons sont devenues des sociétés par action, l'actionnaire en bourse était celui qui portait le risque, et les chefs de service, les directeurs, c'est-à-dire les chefs, se sont aperçus d'une chose merveilleuse: s'ils donnaient beaucoup, beaucoup de bonus à beaucoup d'Indiens, ils pouvaient en réclamer un pour eux. Et le chef du chef aussi, et le chef du chef aussi, et finalement ça est devenu exclusivement uniquement une course au bonus, et c'est ça qui a ouvert la porte à des excès. Alors, il n'y a pas eu que des excès, mais il y a eu beaucoup d'excès. Et la deuxième raison, c'est que les contrôles internes ont considérablement failli. Quand je prends une banque où j'avais quand même une responsabilité de direction générale, il nous a fallu 4 ans, hein, alors que j'étais conscient un peu du marché, puisque j'étais trader au début de ma vie professionnelle, pour installer des contrôles en profondeur sur toutes ces transactions. Et les auditeurs ont mis des années à attirer dans leur rang d'anciens traders pour pouvoir vérifier... Pour des questions de salaire, c'est-à-dire que... Pour des questions de salaire, pour des questions de confort. Comment est-ce qu'on fait entrer 2 traders dans une équipe de 10 contrôleurs? C'est pas aisé à gérer, hein, etc. Donc, tout le monde a été en retard. Et tout le monde a été en retard... à la fois parce que les sommes en jeu pour les entreprises étaient très importantes, les gains pour les individus encore plus, et donc il y a eu une connivence généralisée. On va rebondir, voilà, sur l'actualité. On va rebondir sur l'actualité avec les amendes que certaines grandes banques ont reçues des gouvernements et des autorités de régulation des marchés. Pour faire une comparaison, une grande banque qui a payé son amende, pour faire le parallèle, c'est l'équivalent d'une amende de 25 euros pour quelqu'un qui gagne 50 000 euros, c'est-à-dire une broutille. Hervé, je vais rebondir sur vous. Est-ce que les États,
ils comprennent quelque chose. Est-ce que la complexité des mécanismes de marché, des mécanismes de finance, des mécanismes de salle de marché, la complexité des traders, n'embrume pas les régulateurs des gouvernements? Le mot « les États » est un mot vague. Il y a des directions spécialisées au Trésor. D'accord. On va prendre l'exemple de Bercy. Est-ce que les fonctionnaires de Bercy sont suffisamment compétents et courageux pour demander des comptes? Ils le font. Ils ont amélioré leurs équipes. Ils n'arrivent pas plus que les auditeurs extérieurs, à vérifier le fin fond et le détail des opérations qui sont faites, et qu'il arrive que une banque que je connais très bien a perdu 200 millions de dollars qui ont été comptabilisés un mois après l'arrivée des auditeurs, des commissaires aux comptes et des contrôleurs. En d'autres termes, ces opérations sont extraordinairement complexes. Et l'État, les commissaires aux comptes, les organismes de contrôle interne sont rarement dotés, étaient rarement dotés des hommes qu'il fallait. Ils le sont beaucoup plus aujourd'hui. Jean-Manuel, un mot. Je pense qu'il y a toujours et il y aura encore des problèmes spécifiques où le contrôle est difficile, le contrôle est un peu lent, les gens qui font le contrôle n'ont pas tout le pouvoir, tout l'accès, et au fond, finalement, ils peuvent avoir toujours un petit peu de retard. Cependant, je pense que d'une façon systémique, si on prenait tout le système financier et qu'on prend deux dates, 2007, quand le système financier était truffé de subprimes et de trucs extrêmement dangereux qui allaient exploser, et 2013 ou 2014 aujourd'hui, je pense que d'une façon globale, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et moi, je suis encore aujourd'hui très positif sur l'économie mondiale, sur la croissance et sur les marchés. Je pense bien sûr qu'une crise est possible. Je ne crois pas qu'elle viendra de ce même genre de problème. Elle viendra de vous, selon vous ? Là, il faudrait le journal d'après-demain, et je ne l'ai pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. La Chine, peut-être ? Oui, en général, elle vient toujours d'un endroit surprenant. Donc, c'est difficile à dire. Là, je peux pas vous répondre. Aujourd'hui, on ne voit vraiment, et c'est très bizarre, quand on est français, je vais choquer, aujourd'hui, on ne voit que du rose ou du rouge ou du bleu à l'horizon. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de danger. On voit un monde qui va de plus en plus vite, de mieux en mieux, où il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoir et de talents, et de plus en plus de solutions. Et de plus en plus de capitaux. Voilà. Pour des projets. C'est-à-dire que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est les projets, parce que il y a en gros une trentaine de trillions de dollars investis dans du monétaire, dans des prêts aux États, etc. Je veux dire, l'argent, il est là. Pour vulgariser un petit peu, ces capitaux sont basés sur une promesse d'un travail futur. Si je synthétise très trivialement Ils sont basés sur des bénéfices énormes réalisés par des pays qui vendent des matières premières ou sont très efficaces, comme le Japon, l'Allemagne et la Chine. Donc c'est des réserves entre les emplois que ces pays font et les surplus qu'ils ont. Donc, et ils vont en croissant. Très bien. Jean-Manuel, les matières premières, qu'est-ce que vous en pensez ? Globalement, qu'elles vont monter ou continuer à monter. Le prix des matières premières continuera à monter. Oui, je pense. Il y en a beaucoup qui sont redescendus, ça s'est calmé, etc. Mais dans la mesure où, comme je viens de le dire, il y a 1 milliard d'individus qui accèdent à une consommation croissante, il faut bien qu'ils consomment quelque chose. Et donc ça va pousser le prix de tout vers le haut, des actions, de l'immobilier, pour les plus riches, des Warhol et des Basquiat et de l'art contemporain, et des matières premières, ce qu'il va falloir consommer. Mais alors, ce qui est complexe dans cette résonance, c'est que, évidemment, on peut s'en plaindre pour ceux qui, eux, n'ont pas accès à ce monde-là, puisque ça rend tout plus cher, mais on ne peut pas s'en plaindre pour le reste de l'économie, car cette montée des prix, c'est aussi un enrichissement, notamment pour les producteurs de ces matières premières dans les pays émergents. Alors, je vais me faire dans justement cette option de monde grandissant avec un marché qui va exploser au niveau des pays émergents. Et des pays développés. Regardez la croissance aux États-Unis. Un mot peut-être sur la spéculation sur les matières premières, justement, en parlant de ça. Alors, il faudrait vraiment, 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 et c'est très, très facile à faire, l'endiguer. Moi, j'ai créé,
si je parle de moi en 2000, j'ai créé une ONG qui s'appelle Life Organization et qui suggérait qu'il y ait, peut-être que vous allez être très opposé à ça, qui suggérait qu'il y ait dans le monde des financements innovants une taxe sur les transactions sur les marchés dérivés de matières premières, notamment les futures des options de matières premières, pour une raison simple. Regardez, c'est très très facile. On a tous les moyens modernes. Il y a des chambres de compensation. Donc à chaque fois qu'un futur sur un marché à terme agricole où une option est échangée, on sait exactement, in fine, qui est celui qui l'a acheté et vendu. Et on peut savoir si c'est un spéculateur, pour le compte d'un particulier dans une banque privée, pour le compte d'un fonds d'investissement, ou un agriculteur qui en a besoin pour hedger sa position. Il n'y a aucun problème pour prendre 1% sur l'aller-retour aux spéculateurs qui se servent de ce marché uniquement pour essayer de gagner de l'argent, et de ne rien prendre aux producteurs. Et donc, taxer ces marchés de cette façon-là, une mini-taxe à la marge, et donner cet argent soit aux États pour se désendetter, soit au développement pour tout un tas de choses qui sont très faciles à faire avec les agences internationales contre la maladie, pour l'éducation dans le tiers-monde, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et nécessaire. Et la seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a un lobby des banques qui fait peur à la terre entière et qui dit le monde va s'effondrer si on ne le fait pas. Mais ça, c'est vraiment à mon sens, c'est vraiment du mou pour le chat. C'est faux, c'est un mensonge. C'est exact. Nous devons sanctionner d'une façon ou d'une autre la spéculation pure et permettre les opérations de couverture des producteurs. La difficulté, c'est dans la mise en œuvre, hein, parce que il faut avoir l'accord de 30 ou 40 pays. Car si nous mettons ça dans toute l'Europe et que on retrouve dans une île lointaine d'Océanie 30 banques qui font ça à partir de là. Ou de Caraïbes, si vous préférez. Donc, pour ça, il faut avoir l'accord des 30 principaux pays dans le monde, à commencer par les États-Unis. Mais c'est fondamental de faire ça. Et il va, ça va pénétrer lentement les élites américaines, européennes et asiatiques. Je pense que dans les 10 à 15 ans qui viennent, on aura fait un progrès. Vous parlez des élites. Un mot là-dessus. Un tout petit mot, alors. Je vous en prie. Monsieur de Carmont a raison, c'est compliqué de convaincre les élites. Ça fait 32 ans que je travaille dans le monde de la finance. J'ai des copains donc depuis ce temps-là, dont certains ont des grands hedge funds aux États-Unis. J'en ai appelé deux parmi les plus grands hedge funds pour leur dire « Soutiens-moi sur cette micro-taxe sur les marchés dérivés ». C'était il y a deux ans. J'essaye encore de les avoir au téléphone. Ils me prennent pour un fou. Voilà. Ils en veulent pas. Et ils ont tort. Et un jour, ils comprendront. Ah oui, ils vont comprendre quand la fourche sera à leur porte. Ça, c'est sûr. Oui. Hervé, vous parlez des élites. Le concept élite, c'est les 1%, le fameux 1%. Ça résonne. Qu'est-ce que veut dire élite pour vous ? L'élite, pour moi, c'est d'abord les gens responsables. Hein ? Donc, il faut qu'ils aient des responsabilités. Et on n'a pas de responsabilité si on n'a pas de pouvoir. Hein ? Donc, pouvoir, responsabilité, conjuguer les deux ensemble, vous arrivez à un petit groupe d'hommes qui sont quelques milliers dans le monde, qui peuvent prendre des décisions. C'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Et où commencer ? Par les banques centrales. Hein ? Car une banque ne va pas aller à l'encontre de ce que lui dit une banque centrale, parce que si elle le fait, et une banque peut toujours avoir une crise de liquidité ou une autre crise d'une autre nature, elle a besoin de la banque centrale. Donc, il y a peut-être 10 000 personnes qui prennent des décisions. Il y en a 20 qui comptent. Ce sont les 20 premières banques centrales du monde. Si ensemble, elles décident que ce qui vient d'être proposé et que je soutiens entièrement, c'est-à-dire une taxe sur la pure spéculation qui n'est pas complexe à mettre en œuvre, est appliquée, nous aurions fait un pas en avant considérable. Alors, que faire de cet argent, en effet ? C'est une très bonne question, mais collectons-le d'abord, et puis ensuite, on trouvera des applications utiles de par le monde. Je voudrais rebondir sur la commission trilatérale et ce fameux concept d'élite.
Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu, nous expliquer ce qu'est la commission trilatérale, comment sont effectuées les prises de décision, est-ce qu'il y a un comité directeur, est-ce que ça se passe un petit peu comme les gens qui dirigent la Banque centrale, est-ce que ce sont des gens influents? Je vous écoute. Essayez de nous démystifier, voilà, ou de rentrer dans le détail de la commission trilatérale. L'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller, il y a 35 ans. Il a réuni quelques dizaines d'Européens, d'Américains, de Japonais, en leur disant, écoutez, on a des problèmes en commun, par exemple, les relations avec la Chine, par exemple, les relations avec ce qui était à l'époque l'URSS. Essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général. Est-ce que la commission trilatérale fait pression pour, par exemple, lancer une taxe sur la spéculation? Elle pourrait. Elle a. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que elle a. Le mot pression me gêne. À partir du moment où vous avez 150 Européens, 120 Américains, 150 Asiatiques, et nous avons mis 10 ans à avoir des Chinois dans notre groupe, qui ont écouté les raisons pour lesquelles on devrait continuer à libérer le commerce, contrôler beaucoup plus ardemment le système bancaire, éviter la spéculation, être d'une plus grande générosité à l'intérieur des pays, à l'extérieur et globalement vis-à-vis des plus pauvres, ça crée un mouvement. Et notre rôle n'est pas de prendre des décisions, c'est de prendre des orientations reprises par des dirigeants de tous bords. Nous avons toujours des dirigeants politiques qui viennent d'un parti et qui viennent de l'opposition. Nous avons des gens qui viennent des syndicats et des affaires. Et ensemble, on essaye d'élaborer des solutions aux problèmes des migrations, des capitaux. Nous essayons ensemble de travailler. Et le seul fait de travailler ensemble pendant 3 jours, quelques années de suite, fait que notre mentalité évolue. Hervé, un dernier petit bout pour finir sur l'organisation. Quand la commission trilatérale a accès à des gens très importants, alors vous nous avez dit de syndicats, peut-être du journalisme un petit peu, non? Oui, absolument. Est-ce que d'un point de vue extérieur, ça peut être perçu par la population comme une collusion malsaine? Que des syndicats se retrouvent avec des chefs d'entreprise et des journalistes autour d'une table pour vulgariser ce tape la pogne ou se font la bise ou échangent sur des sujets un peu plus complexes. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un petit peu un conflit d'intérêts? Et je vous prends un exemple. Des gens puissants, une caste, j'aime pas le mot caste, mais des gens puissants d'une certaine élite, comme dans tout échantillon de population, il y a souvent des délinquants. Ou des gens qui ne sont pas de bonne foi. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens qui, ce tout petit pourcent au sein de ce tout petit pourcent, l'impact de nuisance peut être très très important? Et comment vous faites pour, on va dire, chasser les vilains petits canards au sein? C'est très simple. La règle de David Rockefeller, s'il y a un doute sur l'intégrité de qui que ce soit dans le groupe de la trilatérale, il est immédiatement sorti. C'est arrivé? C'est arrivé, absolument. Des noms? Non. Alors là. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, jamais. Non. Jean-Manuel, vous vouliez parler? Oui, je disais que je voulais réagir et dire qu'une fois de plus, l'ennemi, quand la commission trilatérale se réunit et fait des suggestions, il y a un lobbying inverse souvent qui se met en place pour que les choses n'arrivent pas, notamment par exemple dans le cadre des microtaxes sur les marchés financiers. Et ce lobbying est inspiré une fois de plus de l'envie de bonus. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gus qui se disent, oh là là, mais si on fait ça, je pas pouvoir continuer à gagner autant d'argent, à faire ce que je veux, il faut surtout arrêter, et du coup, ça c'est assez puissant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent des bonus. Et je dois dire quand même, la chose suivante, c'est qu'il me semble que dans cet univers-là, et dans d'autres univers, qui est celui, je crois, des très grandes sociétés, il y a énormément de gens qui croient mériter des très gros salaires qu'ils ont, et c'est faux, c'est absolument faux, car en réalité, si vous essayer de réfléchir à où est
la création de valeur, est-ce que c'est dans l'activité de l'individu ou c'est ce que tout ce que l'organisation, la société apporte à cet individu pour pouvoir faire son activité? Et vous prenez par exemple les traders, pour être trader, c'est-à-dire pour pouvoir fabriquer un produit qu'au bout de la chaîne on va vendre très cher à un client quelque part, il faut des lignes de crédit, des bureaux, de la crédibilité, etc., tout un système monstrueux qu'il faut gérer, et le gars qui est là, on peut le prendre, on peut l'ôter, on peut en mettre un autre, il est assez remplaçable. Et donc en réalité, la valeur appartient à 98% à l'organisation et à 2% à l'individu, et un ensemble d'individus de collusion essayent de faire croire que c'est le contraire, que c'est 50-50. Et oui, tant que ça continuera, on sera en échec. Mais c'est faux, c'est juste faux. Hervé, des solutions. Apportez-nous des solutions. Il y en a une. Il y en a une, c'est de ne pas faire ce qu'a fait Chase Morgan. Chase Morgan a perdu 9 milliards l'année dernière. Et alors, Chase Morgan, qui est une banque? Oui, 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 une très grande banque, la première banque mondiale. Et le patron, en 2013, a reçu 23 millions de bonus. Milliards, milliards. À 23 millions ou 23 milliards? Non, 23 D'accord. millions de bonus. C'est colossal pour un individu qui a perdu 9 milliards. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que faire? Avoir des conseils d'administration responsables, que la Banque centrale vérifie que les normes de rémunération des dirigeants soient cohérentes et justes. Car là où il y a injustice, ça répercute sur l'intégrité à tous les niveaux d'une organisation. Et on n'a pas parlé de sanctions. On aurait dû renvoyer le monsieur Diamond. Jimmy Diamond? Ah, mais absolument. Il a perdu 9 milliards. Hein? Renvoyer ou le mettre en prison? Bon, ça, c'est votre problème. C'est pas le mien. Hein? Le mien, c'est que les banques doivent gérer leur conseil d'administration, leurs dirigeants, en fonction de l'intérêt à long terme des clients, de la maison et de l'industrie. Et là, si on prend le cas de JP Morgan, 9 milliards de provisions, un président qui reçoit 23 millions, ça n'est pas cohérent avec l'intérêt général. Alors justement, je reprends le mot de l'intérêt général, dans la commission trilatérale et dans globalement d'ailleurs dans tous ces grands think tanks très particuliers comme Bilderberg aussi, CFR, pourquoi pas, et vous parliez tout à l'heure de représentation de toutes catégories. Oui. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Où sont les représentants? Je suis ravi de cette question. Parce que nous sommes en train de formuler la proposition à l'intérieur de la commission trilatérale de recruter des gens de 30 à 45 ans, parce que les autres ont quand même un âge plus avancé, et de façon à les intégrer dans notre réflexion. Mais ça prend du temps, parce que... Et vous êtes-il à Russie, arrivé d'inviter des gens, des représentants, j'allais dire, de la sagesse populaire, quelque part, hein, j'ai l'abbé Pierre qui me vient en tête, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde, mais des représentants de ce type-là. Est-ce qu'on a pris un abbé Pierre laïque à l'intérieur de... Oui, on prend des gens qui ont une réflexion qui n'est pas altérée ni par l'argent, ni par la position politique. On a des gens qui sont des sages. D'accord. Mais parce que je voudrais dire un mot. De même que j'ai dit que l'ennemi des solutions qu'on propose, c'est, on va dire, le bonus, et dont on l'a bien vu dans le cas de Monsieur Diamond, qui lui est en haut, tout en haut, et qui lui se donne un truc au bonus qui permet à tout le monde en bas d'en avoir un aussi. Je crois que la solution, et quand vous dites, par exemple, c'est les 20 banques centrales qui devraient commencer à agir, c'est vrai. Je sais que les banques centrales sont souvent indépendantes du pouvoir politique, mais je pense que la seule solution vraiment est politique. C'est-à-dire qu'il faut que, je rebondis sur ce que vous dites, que suffisamment d'individus dans la société prennent conscience à la fois des problèmes et des solutions pour élire des politiciens qui, eux,
imposeront une solution. Et prenons un exemple de comment ça peut se faire, comment ça peut se faire à la marge, qu'il faut déjà pas avoir des politiciens qui soient suffisamment à ce moment-là volontaires et détachés de la haute finance pour pouvoir imposer ces décisions, puisqu'ils savent à l'heure actuelle que s'ils imposent ce type de décision au marché financier, comme le disait monsieur de Carmois tout à l'heure, si ça passe pas tout droit, ça passera par à côté, et eux, leur prochain mandat saute. Je pense que d'abord, il faut faire une prise de conscience générale auprès du plus grand nombre possible de personnes. Il faut qu'un jour, un politicien majeur dans un pays majeur, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, soit élu sur un thème qui reprend ces problématiques de façon centrale et que peu à peu, il l'impose au reste. C'est ce qu'on appelle le tipping point. Il y a un moment donné où ça va s'infléchir, le point de basculement, et où ces problématiques vont se diffuser dans la société. Ça ne peut être que par la prise de conscience des individus qui élisent des politiciens qui leur disent « Oui, ce thème-là, c'est le mien, je l'approprie, je le reprends et je l'impose. » Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. On a failli, et ça ne veut pas dire que je vote pour lui, ça ne veut pas dire que j'ai soutenu ce qu'il a fait par ailleurs, on a failli avoir ça en France avec Nicolas Sarkozy, qui, à la fin de son mandat, avait parfaitement compris une chose, c'était l'intérêt de la taxe, de la microtaxe sur les marchés innovants, et qui voulait l'imposer. Juste sur ce sujet-là, il était très prêt d'être le premier politicien majeur qui était prêt à porter ce sujet-là. Hervé ? C'est exact. Enfin, c'est factuel ce qui est dit. Comment créer un mouvement ? Eh ben, il faut d'abord convaincre les journalistes économiques. Il faut convaincre des journaux tout court. Et il faut avoir des réunions avec des députés. Moi, j'ai participé à certaines de ces réunions. Il faut dire que nos députés connaissent assez peu de choses sur les questions financières et économiques et peuvent s'améliorer, mais ils sont souvent curieux. Hein. Et c'est un long travail pédagogique. Alors justement, on parle des journalistes. Peut-être que ça n'est pas assez relayé par les médias du mainstream. Et je profiterai de cette petite réflexion pour me dire comment se fait-il que dix personnalités se regroupant dans un hôtel amènent une foule de paparazzi, alors que vous-même, quand vous réunissez pour la trilatérale, personne n'en parle nulle part. En fond, on fait référence par rapport au Bill Lulberg qui s'est déroulé en Angleterre, qui a drainé énormément de paparazzi, de monde aux portes, mais à l'intérieur, on n'avait pas accès à ce qui était débattu. Et on se souvient de Monsieur Yves Calvi, notamment, il y a peut-être 2 ans, qui découvrait ce qu'était le groupe Bilderberg sur sa propre antenne. Votre avis sur le journalisme? Oui, moi, si vous voulez, c'est une bonne question, mais je vais pas répondre d'une façon qui serait induite par votre question. En d'autres termes, je ne pense pas que la trilatérale, ayant été à son comité exécutif, doive faire de la publicité, s'expliquer, parce que c'est pas son objet. Son objet est bien précis. C'est de prendre les sujets qui nous fâchent avec les États-Unis, la Chine, le Japon, sujets monétaires, liberté de circulation des hommes, qualité de la justice, efforts militaires, toutes ces questions-là, et d'en discuter de façon privée et de faire émerger d'autres idées qui vont influencer, en gros, 400 personnes dans le monde. C'est ça, notre objectif. Est-ce qu'on peut faire une suggestion? Oui. La suggestion qu'on aurait à formuler, c'est de rendre quand même une partie de vos travaux publics, que l'Internet puisse aussi réfléchir avec vous et que vous puissiez bénéficier de l'intelligence collaborative d'Internet. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous pensons à l'heure actuelle, que la force de l'Internet, c'est de mettre en série les cerveaux, et il y a beaucoup de personnes sur le net qui pourraient peut-être vous aider, donc essayez de rendre un peu plus public vos travaux, d'avoir des live streams pendant vos conférences, sans rendre tout public. Il y a un proverbe dans le renseignement qui dit « Si tout le monde parle, rien ne marche, mais si personne ne parle,
ça, on meurt. Oui. Que nous dussions améliorer notre communication, vous avez raison. Hein? La réalité, quand même, que depuis 30 ans, nous avons fait évoluer les mentalités aux États-Unis par rapport à l'Europe, la Russie et la Chine, en Chine par rapport aux libertés, même chose provisoirement à une époque en Russie, nous avons renforcé la tendance au libre-échange, nous avons établi des ponts très nombreux et invisibles qui doivent le respecter dans la collaboration en Europe avec la Russie et les États-Unis, la Chine et le Japon dans le domaine scientifique. Donc on a fait un travail invisible important. Permettez-moi de dire que je corrobore un peu ce que disent nos amis de Thinkerview. Je crois qu'aujourd'hui, on a extrêmement besoin, et je pense que ce sont les internautes et ce sont les gens partout dans le monde qui ont besoin d'une haute autorité morale dans laquelle ils puissent avoir confiance. Car il y a une vraie crise de confiance, en même temps qu'il y a une diffusion massive du savoir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent les problèmes, et qui, évidemment, étant incapables ou impuissants de les résoudre, se mettent à désespérer. Et beaucoup de jeunes sont dans cet état-là. Et donc, s'il y avait une autre autorité morale, je comprends très bien que depuis 30 ans, vous avez influencé un petit nombre de décideurs. Mais je crois que si c'était possible, si vous pouviez être représentatif d'une morale crédible vis-à-vis d'un très très grand nombre de gens, ça serait pas mal non plus. Oui, parce que je rebondis justement sur cette autorité morale ainsi que sur les personnes influentes dont vous parliez tout à l'heure. Quelque part, bon, chacun agissant un peu pour sa paroisse, au sein de ce cercle de membres extrêmement influents, vous comptez sur une sorte d'équilibre des intérêts. Est-ce qu'on peut pas aussi craindre, nous, gens extérieurs à ces cercles, des convergences d'intérêts parmi les personnes décisionnaires qui nous pousseraient vers quelque chose qui n'irait pas forcément dans le sens du bien commun. Ce que nous on n'ira pas à un équilibre des intérêts. Il va y avoir un équilibre des débats. C'est-à-dire que nous allons trouver des Américains qui vont être très opposés à certaines politiques en Afrique ou ailleurs, des Japonais qui ne veulent pas libérer leur commerce interne, nous allons trouver toutes ces opinions exprimées. Et parce qu'elles seront exprimées avec force, prenons la libération du commerce au Japon par des Américains et des Japonais, les dirigeants japonais vont revenir chez eux et dire « Écoutez, il faut prendre ça en considération ». Et ils vont contribuer à faire évoluer. Alors, évoluer vers quoi ? Vers plus de démocratie, parce que c'est le thème central, donc plus de liberté, plus de gens qui participent aux décisions, plus de considération pour l'intérêt général. Alors, est-ce que nous comprenons bien à tout moment ce qu'est l'intérêt général ? Il y a matière à s'améliorer, et nous l'essayons. Nous venons venir des gens opposés à nos vues, hein, et qui ont des vues opposées entre eux, de façon à bien discuter. Bon, et nous restons, je pense, modestes, c'est-à-dire que très bien, on débat, on a des spécialistes, et puis chacun repart dans son pays en essayant de faire bouger la chose. D'accord. Donc il n'est pas illusoire d'imaginer de voir des groupes tels que le vôtre pousser des nouvelles solutions. Un état. Je parle dans la transition énergétique qui s'impose à aujourd'hui. Des nouvelles solutions qui pourraient mettre en péril des lobbies qui pèsent des milliards. Je pense au pétro... Est-ce que vous arrivez jusqu'au choc frontal avec les lobbies ? Est-ce que la commission trilatérale, par ses préconisations, en arrive au choc frontal ? On arrive à ce que, sur des sujets comme l'énergie, nous avons deux thèses exprimées à une réunion où il y a 150 personnes absolument opposées. Quelles sont-elles ? Le degré d'investissement qui doit être soutenu par les États sur les nouvelles énergies. Il y a une thèse d'un grand pays européen qui a investi des dizaines de milliards et qui n'a obtenu aucun résultat. Et vous avez d'autres pays qui, comme le nôtre, qui pensent que
une industrie nucléaire très exigeante en matière de sécurité est quelque chose qu'il faut conserver. Tandis que nous avons des vues absolument opposées à la France qui s'exprime à la trilatérale. Jean-Manuel, vous avez été gestionnaire de fortune, de très grosses fortunes. Est-ce que vos clients vous demandaient simplement du rendement ou il y avait vraiment une éthique dans l'investissement? Est-ce que, par exemple, vous aviez une partie de votre portefeuille pour de nouveaux projets ou des choses comme ça? C'est très spécial. Dans cette période où j'ai fait ce métier, on avait un mélange. Notre but était de soutenir financièrement des entrepreneurs compétents dans des métiers intéressants, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, dans des métiers à bonne marge. Et donc, tout l'exercice que j'ai fait pendant les 15 ou 16 ans où j'ai fait ce métier, c'était de trouver des gens qui étaient forts dans des métiers qui étaient bons et de trouver des façons avec divers clients de leur permettre de grandir. De ce point de vue-là, il y avait une finalité qui était évidente, c'est qu'on a aidé, dans certains cas, à la création massive d'emplois, puisqu'on a mis des capitaux aux mains de gens qui, partant à 12, sont arrivés à 7000. C'est pas mal. Mais je ne dis pas que c'était le seul but. Le but, c'était de trouver des façons de... À long terme, à moyen terme, à court terme? J'ai envie de vous dire que le long terme, c'est une spéculation ratée devient un investissement. Mais c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de trouver dans le monde entier et dans différentes industries des gens qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient et de leur donner accès au capital nécessaire à leur croissance. Ça a bien marché. Une question. Est-ce que l'éducation est un placement avec de bonnes marges? Écoutez, je ne sais pas, pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûr que l'éducation soit un domaine qui soit à 100% et uniquement de la responsabilité des privés. Je crois que c'est forcément aussi de l'État. Mais d'une façon générale, l'éducation est le placement avec la meilleure marge, puisque c'est par l'éducation et par le savoir que l'on crée la richesse, la croissance, le savoir, la démocratie et l'emploi. Donc, sans éducation, il n'y a rien. Mais c'est un placement sur du long terme. Oui, mais c'est tout dépend qui le fait. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est des privés? D'accord. Bonne question. Hervé? Bon, je vous vois sourire. Mais oui, je souris parce que je pense que quand des clients me confient de l'argent, je pense long terme. J'ai toujours pensé long terme. Donc c'est un placement raté? Non. Nous avons choisi, il y a 15 ans, d'investir dans des PME. Une PME il y a 15 ans, une nouvelle PME chaque année. On a créé 1000 emplois. Et on l'a fait selon des règles qui vont à l'encontre du marché. Pas un sou de l'État, pas un sou des banques. Les particuliers qui s'associent le font pour 15 à 20 ans. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a eu un dirigeant qui savait choisir là où il investissait. C'est tout. Donc, je continue. Oui, bon. Donc, moi, je crois que les gens qui vous confient leur argent, ils ont ce que j'appelle une propension au risque. Et il faut en tenir compte. Mais s'ils sont prêts à prendre des risques, ils ont été prêts à les prendre avec nous, eh bien, on les a pris, on a gagné de l'argent pendant 15 ans, on n'a pas perdu une société, et on s'est concentré sur le fait qu'on n'avait pas d'argent des banques et pas d'argent de l'État. Ce qui est intéressant dans le risque, c'est que ce que vous dites prouve que souvent, ce que les gens pensent être extrêmement risqué ne l'est pas tellement, et ce qu'ils pensent ne pas être risqué l'est énormément. Je vous donne un exemple simple. Si en 2007, vous décidez d'acheter un panier des meilleures valeurs du monde, les 5 meilleures valeurs du CAC 40, et en même temps de mettre un peu d'argent dans le soutien d'une PME dans le domaine du numérique, par exemple, eh bien vous vous dites, mon panier CAC 40, il n'est pas risqué, mon panier PME, il est risqué. Ben, c'est le contraire. Le panier pas risqué selon... les canons de la gestion, ben, il fait moins 80% en deux ans,
et puis l'autre, eh ben, il réussit. Donc c'est vraiment cette appréciation du risque, c'est vraiment quelque chose de clé. Aussi parce que les banques centrales ont injecté énormément de liquidités et que là, il y a certains ont pris des positions en 2009 sur des bancaires en prévoyant le fait que les États ne laisseraient pas tomber les banques. Et ils ont fait énormément de profits. Je ne vais pas vous citer le gestionnaire d'un fonds américain qui a pris 7,9 milliards entre 2009 et 2011. C'est aussi une lecture, si vous avez une lecture un petit peu pervers du système financier, on peut faire énormément d'argent. Je crois pas s'il y a de pervers à être baissier lorsque le marché baisse. Non, c'est pas être baissier, c'est de mettre des put options à la baisse pour parier que ça va baisser. C'est une psychologie d'investisseur qui peut être respectable ou pas respectable. Ce n'est pas à nous de juger. Par contre, parier que les États ne lâcheront pas leurs banques et faire de la spéculation là-dessus, ça peut être discutable. On va pas en revenir dessus. Ça mériterait une autre interview. On va vous poser une dernière question. Est-ce que mon collègue a d'autres questions? J'aurais bien aimé avoir un petit mot de votre part sur le marché transatlantique. Très bonne question. Les marchés transatlantiques et plus particulièrement le fait que les très grosses sociétés, on pense évidemment à Monsanto, puissent demain éventuellement tenter un procès à un pays, ce qui est totalement ubuesque à l'heure actuelle, mais cette simple pensée me frise un peu les neurones. J'aurais souhaité savoir ce que vous en pensiez. Qu'on mette à la même échelle, en fait. Le marché transatlantique comprend des sociétés dont certaines ont des chiffres d'affaires égal à un pourcentage significatif de certains États européens. C'est une réalité. Bon, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse, elles sont sous la loupe des autorités diverses, américaines et européennes, et dans l'ensemble, elles se comportent à peu près bien. Dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des excès ? Oui. Récemment, j'ai vu des excès dans la chimie et dans le médical. Hein. Bon, mais quand vous prenez les 300 premières sociétés mondiales, je dirais que ma critique n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui ne sont pas investis par ces sociétés, qui sont sur leur bilan et qui alimentent certes la liquidité mondiale, mais nous aimerions mieux qu'elles les investissent pour créer de la richesse et de l'emploi. Et elles ne le font pas, et la vraie question, c'est pourquoi ? Et la réponse ? Et la réponse, c'est un manque de projet. Un manque de visibilité ? Non, je pense pas. Je pense que quand moi je connais des sociétés qui ont 30, 50 milliards de liquidités et qui n'ont pas en interne, à travers leur centre de recherche, à travers tous les éléments, les propositions de leurs commerçants, créé suffisamment de nouvelles idées qui, elles, doivent être mises en œuvre. Et donc, on n'accuse jamais, mais il y a là un problème de direction générale. Deux dernières questions. Là, on finit toujours nos interviews par des préconisations, des conseils. Jean-Manuel Rosan, un conseil pour les internautes qui nous regardent. Choisissez le sujet. Alors, si on reste, je vais diviser en deux. On en a parlé à d'autres occasions. Je crois que les gens jeunes doivent absolument comprendre Internet. C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des enjeux très très importants, notamment au niveau de la vie privée sur Internet aujourd'hui. Et ils devraient, dans l'idéal, en savoir le maximum, notamment apprendre à coder. Ça leur permettrait de comprendre exactement ce qui se passe dans le monde d'Internet. Mais par ailleurs, on est en France ici et on est, je crois, très 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 influencé par l'esprit français, par les problèmes français, par tout ce qui s'est passé ici. Et je crois que les gens, évidemment en France, quand on parle de croissance mondiale, quand on dit à quel point ça va vite et bien, et quand je vous dis l'innovation dans le monde entier est en train de changer le monde et on va vers une croissance très très importante dans les années qui viennent, les gens nous disent « vous êtes fous, vous parlez de quoi ?» Donc je dis aux jeunes qui nous écoutent « c'est vrai ». C'est possible. Il faut le ramener en France. Il faut aussi le faire en France. Mais nous sommes dans une période d'opportunités exceptionnelles dans le monde. Hervé ? Et il faut
le plus possible voir comment les autres pays réussissent. Pourquoi est-ce que les États-Unis marchent si bien maintenant? Et je vais vous donner un élément de réponse. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu 1,3 million d'émigrés qui sont venus, dont 800 000, si vous voulez, sont venus des familles où l'homme était parti, et ensuite la femme et les 8 enfants, regroupement familial, et puis quelques centaines de milliers sont venus pour des raisons politiques. Mais il y a eu 140 000 hommes de ou femmes de compétences venus du monde entier. Vous parlez des États-Unis. Vous parlez c'est pas la carte verte, c'est le papier pour pouvoir drainer des cerveaux à l'extérieur. Absolument. Tout à fait. Et 140 000. Hein. Nous, pendant cette période, on a perdu 30 000 Français compétents. C'est-à-dire, par rapport à notre population, 65 contre 320, nous avons perdu autant en hommes de compétences que les Américains ont gagné en personnes, hommes et femmes, de compétences. Et donc, je dis que nous devons veiller à ce point-là, avec acharnement, à ne pas perdre nos meilleurs éléments. Il y avait en Belgique 3 000 Français dans la commune aisée, il y en a 11 000 il y a 5 ans, il y en a 11 000 aujourd'hui. Il y a des dizaines de... Il y a 450 000 Français en Grande-Bretagne, des dizaines de milliers en Suisse, et nous avons perdu, parmi les plus dynamiques, nous avons perdu entre 5 et 10 % des Français les plus dynamiques pour l'étranger, et ça, nous devons le surveiller et l'éviter. Moi, j'allais dire simplement... Pourquoi ? Pourquoi ils partent ? Pourquoi ils partent ? J'imagine que c'est une raison financière. Non, oui, c'est pas simplement. C'est le fait que depuis 1685, moi je viens d'une famille qui a été protestante, les élites qui font de l'argent, qui créent de la richesse, sont mal vues. Ça a été le cas en 1685, ça a été le cas à la fin du 18e, mais absolument. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si la population a cet esprit critique face à l'homme riche, c'est peut-être un manque de transparence, peut-être de l'envie, ou peut-être aussi une réalité pour certaines. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je vais vous donner ma version des choses là-dessus. On a vu certaines familles faire de la spéculation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a laissé quand même des traces au niveau de certains. Donc, respecter les gens qui investissent et qui font de l'argent, c'est vrai, en France, on a un peu tendance à pas trop les respecter, ce qui est, je pense, une erreur. Parce que il faut avoir des leaders, il faut avoir des pointes de diamant, des gens qui prennent des risques, mais il faut aussi respecter les gens qui ont eu ou qui ont vu certaines malversations. Il faudrait que la richesse soit vertueuse, et ce qui l'aiderait le plus à être vertueuse, c'est qu'elle soit transparente et assumée. Et on a en France un très très grand problème culturel qui est le suivant. La France, c'est le pays de l'égalité, égalité, liberté, fraternité. Mais en France, en réalité, on est libre de tout, sauf d'être différent. On doit être égal. L'égalité était obligatoire dans les pays anglo-saxons. La différence est assumée. C'est-à-dire que le but de la société, c'est de permettre à chacun d'assumer sa différence. Donc en France, quand on a une différence, on est obligé de la garder dans un périmètre caché. Et quand sa différence à soi, elle est pas physique, elle est pas par la mode, elle est pas par le foulard, le turban ou la kippa, mais elle est par l'argent, eh bien on la cache. Et c'est le problème de la France est entièrement que dans un monde principalement libéral, principalement anglo-saxon, principalement axé sur la possibilité pour les individus d'avoir accès à leurs différences, la France ne peut pas mettre le droit à la différence en avant. On l'a vu d'une façon très simple. On a un président qui est élu en 2007 en disant « je vais faire une rupture ». On comprend ce que c'est que cette rupture. Cette rupture, c'est « je vais
vous obliger à exceller. Je vais vous obliger à fonctionner. Ça va être obligatoire. Alors, on lui dit, bon, c'est pas sympa, mais on va te laisser essayer. Ça marche pas. Et du coup, on a un président qui, après, est élu en disant, je vais être normal. C'est-à-dire, je ne vais pas être différent. Les deux sont excessifs. Hervé, le mot de la fin. C'est la confiance dans l'avenir de la France. Hein, parce que nous avons 65 millions d'habitants, que nous avons un taux de croissance important, que nous avons heureusement un taux d'émigration très important. Un taux de croissance immigration démographique de, oui, démographique important, que nous avons des gens qui viennent d'un peu partout d'Europe et d'Afrique du Nord qui veulent réussir, et que ces éléments-là vont remuer, secouer la société française pour qu'elle aille de l'avant, et que j'ai tout à fait confiance que dans les 2-3 décennies qui viennent, ils renouvelleront les élites de la France dans un sens qui bénéficiera à l'ensemble du pays. Messieurs, nous vous remercions. Merci à vous. Ce qui est véritablement intolérable, c'est la surveillance de masse. Comme le disait Éric Fiolle, c'est la présomption de culpabilité, c'est des violations massives de nos libertés individuelles qui ne peuvent en aucun cas respecter le principe de proportionnalité. Parce qu'on a enfin rattrapé notre retard sur les Américains, et puis on va pouvoir montrer à la NSA qu'on sait faire, nous aussi. Et on sait faire, on est bon, hein. On est super bon en matière de surveillance. Après, le souci, c'est pour la démocratie, mais bon. La réalité du risque est camouflée à tous les niveaux. Hein. Les banques ont des pertes en interne très importantes qu'elles ne montrent pas. Les banques centrales n'exigent pas la transparence. Les organismes chargés de faire les audits en disent encore moins. Et les directions générales se taisent dans toutes les langues.